Aujourd'hui, on est à la Musique Académie Internationale de Nancy, mon école de musique. Technique de chant, coaching scénique, écriture de paroles, plein de choses. La formation, elle m'a apporté déjà au niveau technique pur. Voilà, moi j'ai quand même vu l'évolution au niveau du chant. Elle m'a apporté aussi beaucoup de choses, je dirais humainement, une année faite de rencontres, de belles personnes. Là, on est dans l'entrée de l'école. C'est ici que tout le monde se retrouve quand on arrive le matin. À la café. Oh. Ça va? Ouais, toi? Ouais, t'arrives juste? Ouais, j'arrive là. Cool! Coach vocal. Et ma prophétie. Ce qui me marque le plus, c'était notre rencontre sur cette chanson Freedom, qui est un vieux gospel, mais alors un des gospels pas du tout connus en France. Et il me propose ça, et il me chante une version à lui, guitare-voix. Incroyable, ça, et puis les crises de fou rire, quoi. Et surtout, il est très, comme il est très naturel, alors on est très vite porté, je suis quand même la prof, enfin, je veux dire, je devrais rester sérieuse, et on va tout de suite dans le fou rire, dans le sourire, dans la rigolade, voilà, c'est surtout ça que je retiens. L'entrée principale avec le studio. Alors voilà, je vous présente le studio où j'enregistre mon premier morceau. Voilà le studio de l'école. Bah, je vous présente Clara. Bonjour. C'est mon grand frère qui a lancé un petit peu la musique chez nous. Et c'est avec lui que j'ai appris les premiers accords de base. Et voilà, en cours particulier, je dirais. J'ai commencé par la batterie, en fait, assez tôt. Je sais pas, peut-être les premiers rythmes que je tapais, j'avais 5-6 ans. Mon grand frère jouait dans un groupe, il avait une batterie. J'étais tout le temps fourré derrière sa batterie. Et puis voilà, j'ai appris des trucs qui sont arrivés tout seuls, en fait. Et j'ai joué un paquet d'années avant de me mettre à chanter. La musique me prend une place énorme, je dirais. Parce que, moi je dis souvent en tout cas, puis je pense que c'est vrai, sans la musique, je ferais pas grand chose, quoi. J'ai eu envie de, pourquoi pas, faire de la musique ma vie, en tout cas. Ouais. On verra ma route, mon destin.